Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 9 novembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. J'attire de bonnes relations et de bonnes personnes dans ma vie, je m'entoure facilement de gens positifs et sains et je me libère totalement de tout jugement, colère, culpabilité, totalement du passé. On va répéter cela 3 fois. Je le redis encore une fois un peu plus doucement. J'attire de bonnes relations et de bonnes personnes dans ma vie. Je m'entoure facilement de gens positifs et sains et je me libère totalement de tout jugement, colère, culpabilité et totalement du passé. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé le 5 de l'eau. C'est une carte mineure et son essence, eh bien, vous l'avez compris, la perte de quelque chose, la perte de quelqu'un, une illusion intérieure, une décadence, une disparition, eh bien, de l'ancien pour aller vers un renouveau ou un nouveau. Une douleur peut être perpétuée par la perte éventuelle d'un amour, une torture intérieure et malheur par l'incompréhension de la propre situation. Mais peut-être que c'est la perte de quelque chose pour quelque chose de beaucoup mieux, n'est-ce pas? Le message intérieur de cette carte, eh bien, pour certains d'entre vous, il y a des voiles de l'ignorance qui vont se lever. Il va avoir une déception, mais cette déception, vous l'avez créée vous-même. Et elle va se dissiper maintenant, peu à peu. Alors, soyez courageux, c'est le début de votre libération intérieure. On vous demande d'être vaillant, vaillante. Si vous ne le voulez pas, vous n'avez pas besoin de souffrir. Il ne s'agit pour vous que d'un son de cloche qui vient à votre secours et qui vous souhaite la bienvenue. Maintenant, la manifestation extérieure. Eh bien, encore une fois, pour certains d'entre vous, ça va parler à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qui vibre en vous. Il y a une situation extérieure qui va se transformer sans que vous n'ayez été mis en garde. Cependant, il ne vaut pas la peine de lutter contre les changements. Et ça, vous le savez. On vous invite à faire ce lâcher-prise. Ça peut être un changement sur une situation que vous vivez professionnellement, point de vue sentimental, point de vue familial. Lâchez prise. Laissez partir ce qui doit partir. Ça n'a plus lieu d'être. Vous accrochez et vous avez peur de cette perte parce que vous ne savez pas ce qu'il va avoir par après. Mais il y aura peut-être une difficulté. Mais ça sera à court terme, le temps que vous vous fassiez à cette situation. Ce que vous perdez ne vous a jamais vraiment appartenu, n'est-ce pas? Alors, par cette compréhension profonde, et peut-être aussi, avant tout, douloureuse,
eh bien vous allez gagner une nouvelle forme de sécurité, une nouvelle forme de clarté intérieure sur vos véritables sentiments. Il n'est pas facile, je le reconnais, de faire un lâcher-prise. Mais là, c'est une perte pour quelque chose de mieux. Vous ne vous y retrouvez plus dans ce que vous vivez présentement. Donc laissez partir. Évidemment, ça ne sera plus ce que vous viviez, c'est normal. Mais combien salutaire. Ce qu'on vous met sur votre chemin, n'oubliez jamais que vous apprenez. C'est une perte, oui, c'est une perte. Mais vous avez appris. Ce sont des expériences. Avec des chaos, on grandit. Donc laissez partir. Je termine avec l'oracle de l'évolution. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur, silencieux, eh bien, se trouve la réponse. Voilà, prenez le temps de discuter avec vous-même. La réponse est à l'intérieur de vous-même. Synchronicité avec le 5 de l'eau, la perte. Ça parle. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.